jodi an son jou important liye pou moun ki gen problème maladie mentale. Et nous avons tendance à pas considérer maladie ça comme toute maladie et son bagage qui arrive n'importe qui est. C'est important pour moi pour te montrer et intéressant moi pour te montrer que c'était un bagage pour nous bailler en pile attention et importance. C'est pour la population commencer à comprendre que maladies mentales sont maladies même gens avec toute autre maladie, faut jouer un encadrement, faut jouer un soin. Nous mettons un numéro de téléphone, nous parlons de ça déjà matin, numéro 177-177. Si nous avons un monde dans la rue, nous pensons qu'il a un petit problème mental, nous appelons et nous allons encadrer, nous allons prendre pour nous mener dans un centre psychiatrique. L'outil, ça, c'est la nécessité pour intégrer la santé mentale dans le système de santé. L'autre recommandation que nous avons arrêté sous liste, c'est les affaires de formation professionnelle. Et dans le système, non? Que ce soit professionnel santé ou bien et l'autre professionnel, parce que nous avons besoin de ressources humaines, et formation est faite depuis dans l'école de formation. Ou l'autre recommandation, c'est développer un outil pour nous capables de collecter données sur santé mentale et pour nous capables de mettre en dans le système. Non? Parce que nous avons un système d'information sanitaire, mais il n'y a pas gagné côté pour mettre données sur santé mentale. Et l'autre recommandation nous qu'apprend, c'est par rapport aux ressources humaines, intégration, hein, par rapport à financement. Parce que nous connaissons, rien pas fait sans l'argent, même si l'argent a un niveau pour gagner, mais la réalité c'est que dans le pays qui est le pays d'Haïti, nous remarquons que l'investissement dans la santé mentale est très faible. Et en Haïti, c'est 1% budget santé qui est alloué à santé mentale. Et particulièrement, c'est 1% ça payé beaucoup plus professionnels et santé et dans les affaires santé mentale. Donc ça nous souhaitons nous-mêmes, c'est que pour gagner un investissement pour nous capables de développer santé mentale là, pour que les gens qui ont des problèmes psychiques, problèmes est lié à santé mentale. Depuis, on s'est peur parce que nous, si nous songeons après 12 janvier, qu'on est là, il y a des gens qui ont été depuis le centre, un petit mouvement, il y a peur. Les gens ont une peur, ils ont une anxiété, ils ont une dépression. Donc tout ça, c'est des situations où les gens dans la danse, s'ils n'ont pas de capacité, même pour qu'on parle, pour le gérer, ils sont capables de joindre avec les gens dans la communauté, ils sont capables de joindre avec un psychologue, ils sont capables de joindre avec un travailleur social, qui est capable d'aider. Et résoudre le problème ça sans qu'elle pas besoin d'arriver dans le niveau psychiatre. Parce que psychiatre, même, c'est dans le niveau, c'est côté et nous fait ça que les soins spécialisés. Et au monde qui gagne petit problème mineur ou petit problème léger qui ne prend pas en compte, il après le développer pour venir des gros problèmes. Donc, nous souhaitons que tu es capable de gagner fonds pour faire développement santé mentale. Il faut tourner la place. Desrosiers. Et pourquoi pas au docteur Max Desrosiers aussi? Mais vous n'applaudissez pas là.
Nadia Besson. Et maintenant, j'invite le ministre de la Santé publique à remettre la plaque d'honneur à Madame Nadia Delsouin. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Première travailleur social de l'hôpital. Ok, maintenant j'invite Miss Hector à venir recevoir des mains du directeur général la plaque d'honneur de Madame Poémie Persée-Bastien, s'il vous plaît. Et le docteur Pierre, lui, Marie-Jocelyne, va procéder à la remise de plaque à l'un des pionniers de nos surveillants ici, monsieur Louis-Joseph Silman. M'a contre vous qui s'en chiche pour ça avec toi, moi. Trata. M'a engagé dans la lutte ça, dans la lutte pour les gens qui ont des problèmes de maladie mentale. Nous avons compté sur moi et nous avons compté sur le président. M'a collaboré avec tout le monde qui est dans le domaine ça et m'a encouragé, j'aime te dire un message le matin, pour que les jeunes gounien commencent à lancer pour eux dans le domaine psychiatrique ou bien psychologique. Merci encore. C'est les efforts que nous faisons pour nous intégrer définitivement la santé mentale là au niveau des soins de santé primaire. Donc, nous travaillons pour ça. Il y a un pile d'efforts déjà qui fait que nous allons combiner tout ça ensemble de façon dans un proche avenir que la santé mentale là inclut dans un paquet minimum de santé.